forcément on va tomber. Et puis après, il y a l'instruction, etc. Il y a des choses, un rapport psychologique, des expertises qui sont faites. Et quand on lit que c'est une personne manipulative, ça vient voir, il peut avoir une vie, il peut avoir des effets scolaires. Moi je comprends pas. Pourquoi quand on dit de quelqu'un que c'est un pervers, on dit que c'est un pervers quoi. Qu'il aime bien mater des culs, tu vois. Alors que ça n'a pas du tout cette signification. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui... Mal intentionné. Qui se plaît à faire le mal ou à l'encourager, quoi. On va dire une méchante personne qui aime ça, quoi, être méchant. Non, mais un pervers sexuel, c'est ça. Hein. Parce qu'il y a... un pervers sexuel. Ah oui, mais c'est sous-entendu. Parce que pervers, c'est. Voilà, quoi. Je sais pas, oui, mais par exemple, moi, nous on dit. À l'époque. Mathias c'est un pervers, mais il aime pas agresser les gens, il aime juste mater des culs. C'est vrai, mais bon. Ça va, là, Ange-Pierre, tu as pris un verre de limonade, ça suffit. Tu es bourré. Putain, merde. Je te le fais pas dire. Putain. Qu'est-ce qu'il fait?
If you have a bad day. Alors ça c'est pas possible hein, parce que moi j'ai toujours essayé de la réussir. Hein. C'est un immense pervers, mais c'est pas possible. Ne joue rien. Il est perdu. Oh. Mais arrêtez, personne va voter pour Jean-Marie Bigard. Ni pour Cyril Hanouna. Putain, si en 2022 il y a ces deux cons, moi aussi je suis capable de gagner alors. Hein. Mais non, ils vont pas se présenter aux élections quand même. Hein. J'espère pas. Hein. Mais c'est pas vrai, c'est une blague, je pense, non? Ben, Jean-Marie Bigard, c'est pas trop une blague. Hein. Ni d'ailleurs même peut-être Cyril Hanouna. Hein. De plus en plus de gens qui en parlent et tout là. Hein. Ils sont cons quoi? Cyril Hanouna, la personne la plus détestée de France, là qui va devenir présidente. Mon cul. C'est marrant. En plus, il est arabe, donc c'est pas logique. Voilà. Peut-être bientôt Marine. Pour donner de la justice un peu dans ce peuple. Oui. De remettre les Arabes à leur place. La poubelle. Je suis arrivé, les pompiers étaient là. J'ai pas le droit d'entrer. Ils m'ont dit qu'effectivement, ils sont en train d'intervenir. Rita, non. Je ne savais pas le degré de gravité en fait. Donc elle était toujours avec son mari. Elle me raconte qu'en fait, elle était au moment du repas. Elle me dit qu'elle était en train de lui donner à manger un petit pot. Ça passait pas, qu'il chantait. Pour le caler, elle lui avait donné un bouillon. En fait, elle a vu que elle n'est pas bien, donc elle a dit et elle a appelé le bouillon. Elle est parfait. Non, c'est ça comme une fausse route. Et en fait, elle m'a dit que. C'est toujours n'importe quoi. Quoi, tu sais? Bah voilà, jusque-là, elle est. Non. Putain, c'est ça. Pourquoi j'ai écrit à chaque fois? Non, quasi. Alors, il est parti. Oh. Putain. Eh, c'est bon. Tu tires ou quoi? Ah. La putain de merde.
Tu fais du paintball là en fait. Quoi? Tu fais du paintball? Ouais. Oh! T'as pas accroché, enculé! Et les maïs, je les emmerde. Oh putain! Putain de merde! Attendez une minute.